Bonjour à tous, c'est Freddy, Louis Informatique. J'ai reçu aujourd'hui l'adaptateur pour iPhone vers HDMI pour brancher le téléphone et iPad, iPhone et iPad sur les télévisions. Donc voilà l'idée. Je vais vous montrer donc sur l'écran ce que ça donne. Donc l'avantage c'est que si vous le branchez sur une télé, bon là moi je l'ai branché sur un écran LG d'ordinateur, mais si vous le branchez vous sur une télévision, vous aurez aussi le son qui sort sur la vidéo sur votre télévision. Donc ça peut être pratique si par exemple, alors moi je vous ai dit honnêtement, je l'ai acheté dans le but simple et unique, c'est que quand je change les écrans des téléphones ou si le téléphone est défectueux, pour vous dire en gros, ça me permet avec ce câble de récupérer les données et de voir l'écran sur la télé, l'écran de l'iPhone ou de l'iPad. Donc là le 12 volts pour alimenter le boîtier qui est branché en HDMI ici, et en troisième câble il est un peu plus long, vous avez du lighting donc pour l'iPhone et l'iPad. Donc ce que je trouve dommage c'est que celui-ci, donc le port USB qui sert à alimenter le boîtier, il soit un peu court par rapport au lighting. J'aurais kiffé qu'ils mettent la même longueur, moi j'aurais souhaité en tout cas qu'ils mettent la même longueur sur les deux, par rapport au fait qu'ils sortent tous les deux du boîtier HDMI. Sinon ça fonctionne super bien, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. Si vous avez un 6+, 6S+, ou un 7+, 8+, tout ce qui est en grande taille, vous aurez le format paysage, même sur le bureau, le Dutch board qu'on appelle ça, donc du téléphone. Mais là ça fonctionne pour moi avec un 6S normal, juste sur les vidéos, les photos et les contenus des applications qui passent en mode paysage. Voilà, donc je vous montre ça, je trouve ça vraiment génial. Donc je l'ai commandé sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux à qui ça intéresse. Donc c'est pas très très cher, hein. Ça doit coûter de mémoire dans les 17 euros, je crois, 16 euros et quelques de mémoire, donc c'est pas cher par rapport à un original iPhone et ça fonctionne très bien. Je l'ai commandé avant-hier, je l'ai reçu aujourd'hui, donc il est arrivé ce matin. Donc en une journée et demie, bon il y a eu un peu de retard, mais en une journée et demie vous l'avez dans la boîte à lettres. Si vous avez envie de recevoir les notifications, pensez à mettre la petite cloche de notification sur la chaîne YouTube, ainsi qu'à vous abonner, laisser un petit j'aime.